On se retrouve pour la fin de Rimrosor qu'on avait tourné avec Mamie Carlos avant-hier. Voilà, j'avais totalement oublié, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, pour le moment, c'était qu'une Early Access, donc fatalement, on n'a pas la fin du jeu. Je ne sais pas quand sera la prochaine mise à jour, malheureusement. J'ai essayé de regarder les news et tout, mais pas trop d'infos à ce sujet. Donc, peut-être pour mars-avril, on aura un petit quelque chose. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la fin de la vidéo. Je vous dis un très bon visionnage. C'est parti! Bah la cheminée, je suis heureuse. Oh, tu vas chercher, tu vas trouver ce que tu cherches. Tu vois, elle est gentille. Oh, man. Examine les suspicious. Fais un place. C'est une safe zone ici ou... Si je prends un couteau, tu me tapes. Mais elle est plus là, la meuf. Non, il y a un endroit pour se cacher. En même temps, tu devrais te cacher. Alors non seulement elle est là, et non seulement ici, il y a une fireplace. Non, non, fireplace. Cache-toi! Cache-toi! Mais pourquoi faire? Cache-toi! Je sais pas, je me poursuis. Ni? C'est le salon ça? Elle a dit y'a plus de porte. Je suis un peu dans la merde, mais très légèrement. Parfait combo. Le parfait combo de gros fils. Mais non, j'ai cliqué. Hamdoula. Oh, ça va, je suis là. Bon, bah, du coup, je peux aller lui caresser les cheveux. Oh, je te l'avais pas dit ou pas? Vas-y, je regarde dessin animé avec toi. D'accord. Je. J'ai pris la batterie. C'est quoi ça? Un peu graphique j'espère, parce que c'est là les cheveux qui poussent, ça me fait flipper. Non. Tu vois, je t'avais dit que ces cheveux... Je suis tellement mort, je suis tellement mort. Il y en a juste deux à mon cul, c'est pas grave, c'est tout. Hein. Après tout, c'est quoi deux femmes à ton cul? C'est parce que je suis un peu sexy, MDR. Par contre, elles ne sont pas trop. Hein. En faisant le con, j'ai trouvé la solution. C'est beau, hein. Du coup, il y a les deux après moi ou pas? Parce que moi là-bas, je me suis mis devant la télé juste pour troll pour faire genre, oh, tu vois pas les dessins animés, c'était totalement la solution. Mais elle est descendue, on est d'accord? Moi j'ai compris qu'elle était descendue. Trois vieille chinec. Toutes des casse-couilles, hein, celle-là. Hein. Je gruge. Je sais pas, je veux même pas savoir. Il y en a une autre là, on est d'accord. Ou elle court très très vite. Sous l'océan. Sous l'océan. Ah le con. Mais du coup, est-ce que c'est Papy cet homme ou pas? Oui. Moi je suis pas bien sûr. Vu la voix, Papy a fusionné avec la dame à la colonne. Ouais, pas bizarre cette histoire. Et là, c'est le drame. Avec la dame, avec Jennifer. Pourquoi je ne sais pas? Moi je vois rien dans ça. Non, en fait, je vais pas attendre mon premier. Je suis pas bien là, hein. Je saigne un peu, j'ai l'impression. Au final, t'as volé des piles en fait, t'aurais pu voler des piles d'à peu près dans tout l'appartement, mais non, fallait que t'attendes ce moment-là. Le manoir, c'est pareil, voilà, c'est... Ça aurait pu être une prairie, ça aurait été même... Quoi, tout ça pour ça? Ouais, mais là-dedans, il y a... Qu'est-ce que vous, schmoulmoul? Un carton, un chalumeau. Pour la voiture. Pour faire fondre le mur. Fireplace. Hein? J'ai un cocard, lol. Pourtant personne n'a frappé au sel.
Après, je vais te défoncer l'arcade. Ma femme. Ma femme, écoute-moi bien. Je t'aurais averti. Je t'aurais averti. Hein. Je prends le téléphone, je te casse les deux arcades. Il me semble, hein. Lubricate. On est d'accord, elle est là. Je sais pas, je suis sûr d'avoir vu un truc ici. Tu m'as violé. Quoi? Pas du tout alors là. Bon, moi aussi, hein, c'est pas la même chose. Et là, alors là, moi, sursauté. J'ai juste eu un spasme, c'est tout. C'est courant d'avoir des spasmes. Il y a quelque chose à l'insigne. Ah, c'est ça, Fire Place. Ouais, genre, moi aussi je suis aussi forte. Hein. Des petites briques comme ça, je. Putain. Hein. Tu vas regretter, hein. Pourquoi tu te mets comme ça? Pas besoin. Regarde, on est pas bien là. Alors la meuf arrive à casser des murs à main nue, mais elle n'arrive pas à. Évidemment. Tu vois, elle huile un petit peu les petits trous. Et ça passe. Et là, d'un seul coup, tu vas voir que. Waouh, ça va. Waouh! Ça va fuser. Ça glisse, tout ça, hein. Ça va faire du bruit, je vais devoir me cacher. Elle est très petite, mais il est très mignon, ce petit. Pourquoi est-ce que tu as grandi? Pourquoi tu es devenue Jennifer? Gap. Donc, gap, ça doit être un passage. Ouais, mais t'es là-bas, le passage, de toute façon. Ouais, mais l'ouvrir avec quoi? Je sais pas, tu fonces dedans, tu mets un coup de tête, un coup de cul, on sent. Mais oui, tu... Mais je sais, tu pousses la statue, et tu vois. Ah ouais? Putain, elle a aucun respect pour la Vierge Marie. Putain, mais Marie, elle est vierge, elle a fait un enfant quand même. Ça fait quoi? Il manque une touche de piano, du coup, il va falloir trouver. Explore céleste. Bon. On a encore pris un bébé. Ah, c'est là, il a tué. Où il a tué sa fille. Bah, elle est trop mignonne cette chambre. Parce qu'on a vu du sang sur les lapins. Dans son flashback, il nous racontait là. Où il racontait sa vie, qu'il nous cassait les couilles là, ce fils de. Vieux. D'accord. Il y a un objet. Il y a rien du tout, il y a le vide, tu sais. Ah. Tout s'explique. Pourquoi tu fais l'air désespéré? Comment tu nous emmerdes, toi? Seul Dieu sait pourquoi je suis revenu. J'ai besoin de les revoir. Au moins de savoir qui je suis et pourquoi je suis Jennifer. Try to escape. On n'est pas autorisé à aller dehors. Il a mis des barres sur les portes. On dirait que papa ne me reconnaît pas. Il m'a fait asseoir dans un autre mesmerisme avec des drogues. Pardon? La seule fois où j'ai été ici, j'ai été dans ma chambre. J'étais en dehors de ma chambre. C'était trop sombre, je me souviens pas qui je suis. Toutes mes mémoires ont l'air flou. Flouté. Il y a un endroit entre la garde-robe là, elle a dit. Putain, ça va trop vite. Je peux monter, climb down. Je peux escalader. Putain, parle trop vite, putain. C'est trop tard. Je sais pas pourquoi j'ai oublié ça derrière moi. Je laisse ça derrière moi plutôt. Je me souviens de la promesse qu'on avait fait un soir. Top of the world. Meilleur du monde. Top of the world. Ils arrivent.
J'ai besoin de me barrer. Je veux juste laisser ça ici. S'il te plaît, maman, viens avec moi, s'il te plaît. Réveille-toi, maman, maman, s'il te plaît. Ma parole était déjà morte. Eh ben, il lui arrivait des trucs sympathiques à cette petite demoiselle, dites-moi. C'est quoi, attique? Oh, déjà, tu cries pas comme ça, tu vas te calmer. Ça part en couille. C'est quoi? Ça veut dire grenier? Grenier, c'est en haut? Chut. Ça veut dire qu'il y a une sortie au grenier? Il y a des papillons derrière. Il y a derrière. Un papillon derrière. C'est tout dans ta tête. Ne le regarde pas, tourne-toi. Oh non. Tu vois, non. Stop it. S-T-O-P. I-T. Ah, c'est la maman. Elle est gentille, la mère, en soi. Ignore tes peurs. Ne le regarde pas. Tourne-toi. Ce que tu vois n'est pas réel. Tout est dans ta tête. Et le miroir nourrit ta peur. Détruis ce qui te fait peur. Détruis-les. Détruis ta peur. Tout est dans ta tête. Le miroir n'a pas le pouvoir sur toi. Tu peux le smash. Ne le regarde même pas, tourne-toi. Je veux pas comprendre. Il y en a partout! Ça va aller les miroirs, la meuf, elle était pas un petit peu narcissique là? Ok, nul! C'est un mur. Oh. Ah. Non, il y a la même monde dedans. Non, il y a la fille. Il y a la fille décédée. Parce qu'elle s'est cachée dedans en fait. C'était caché. Non, peut-être. Et peut-être un passage. Oh. Derrière le dressroom. Il n'y a même pas besoin de chercher en fait. Ça pouvait pas être ça en 5 minutes. Non, il faut qu'elle tombe de 6 étages. Là, on va devoir remonter par le trou. Pourquoi remonter? On est dans les égouts. Sortir, on va pas utiliser là où on avait pris la clé là. Je sais pas, y a pas une sortie dans les égouts autre que ça. Mais, en soi, en vrai, il devrait y avoir des sorties dans les égouts. Shit. Mais bah, normalement oui. Mais si c'est les égouts privés de la maison. Et ben voilà. Thanks for playing Early Access, on ne saura jamais la fin, c'est merde tout. Alors on a terminé là-dessus, nous sommes arrivés dans les égouts. Ce qui est une fin plutôt chiante. Parce qu'on ne sait pas la suite. Parce que moi, je veux savoir si on peut sortir quand même. Tu veux savoir aussi? Moi, je pense qu'on peut sortir éventuellement. Mais ça, on saura dans très longtemps, probablement. Et du coup, j'espère qu'on pourra voir la fin. On dirait des vieux commentateurs. Alors, Michel, qu'avez-vous pensé de ce let's play en ma présence? Bah déjà, en ta présence, c'était chiant. Et après, sinon, ce jeu en soi était pas mal.